Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana ou, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Bravo Miragwano, qui ensemble à conférence haïtienne religieuse soutient note pour demander fidèles catholiques pour un génie pour jouer une libération religieuse là, tout le citoyen qui embamé, kidnappé. Après plusieurs jours, il passé dans Miravise, inspecteur police Wilner Serafin, jouer une libération li vendredi soir après l'agent proche li bail pour ça qui évalué environ 1 million goud. D'après appelé, c'est la date 3 janvier 2021. Exam t'est enlevé inspecteur dans rue pavé Port-au-Prince. Jean-Robert Pierre, yon nan responsable marché public cité du peuple dans ville Cap-Haïtien tombé en bal vendredi an, c'est nèg qui t'a gagné cagoule dans tête yo à gros arme fan fois dans main yo qui t'a commettre crime ça. Jean-Romel Monsignac, directeur logistique Conseil national télécommunication Conatel, victime de kidnapping jeudi soir pas trop loin la Cali dans rue Sapoti Paco. Ravisseyo exige go l'agent pour libérer. Pendant gang yo a opéré tout partout en dans pays sans qu'elle saute, directeur général police nationale Léon Charles fait connaître dans une note limité dehors, li organisé vendredi a une réunion avec directeur départemental yo et puis l'autre cadre dans institution responsable yo té brasser l'idée sur une stratégie yo devait adopter pour contrer carré gang yo à la disposition qu'a prend pour kimber l'autre avec sécurité sur tout territoire national là. Dans yon commune qui voté date vendredi 8 janvier 2021, conseil électoral provisoire contesté a fait partie politique avec la presse qu'on est, institution électorale là, a recruté personnel pour bureau électoral départemental, BED Akmon qui pour travailler dans bureau électoral communal, BEC. D'après notre ça, intéressé, capable de déposer dossier dans bureau électoral départemental, sorti 7 pour arriver 13 janvier 2021. Directeur général Office national identification au Jude Jacques et Libère, fait qu'on ait 40 000 citoyens qui déjà recevoir 4 identifications nationales dans 4 campagnes, enregistrement avec livraison qui a continué. Jude Jacques et Libère souligné institution la dirigée à travail pour qu'elle est là sur l'autre stratégie pour arriver sous plus monde pendant le pays. Il y a des gens qui ont épargné, spécialement pour les filles qui ont été dans le dernier temps, qui viennent même de faire la 17. Nous réveillons, nous sortons les griffes, nous lançons masque là pour 17. Côté que nous allons porter toute doléance par DG et nous-mêmes des populations haïtiennes pour nous accompagner nous parce que nous-mêmes tout nous avons une revendication par nous pour nous porter à l'IDG et DG va porter le CFN parce que les populations haïtiennes sont victimes de l'insécurité, sont victimes d'assassinat, sont victimes de kidnapping. Jean-Robert Pierre, un responsable marché public cité du peuple dans la ville Cap-Haïtien tombé en babal vendredi passé, c'est nèg qui te gen cagoule dans tête yo à gros âme fan fois dans meyo qui t'a commettre crime là. Jean-Romel Monsignac, directeur logistique Conseil national télécommunication Conatel, victime de kidnapping jeudi soir pas trop loin la Cali dans rue Sapoti Paco, David Seyo exige un gros l'argent pour libérer lui. Pendant gang yo opéré tout partout en dans pays sans qu'elle saute, directeur général police nationale Léon Charles fait connaître dans une note li mette dehors, li organisé vendredi a une réunion avec directeur départemental et puis l'autre cadre dans institution responsable te brasser l'idée sur une stratégie de adopter pour contrer carré gang yo à la disposition pour kimber l'ordre avec sécurité sur tout territoire national là. Dans un communiqué qui voté date vendredi 8 janvier 2021, conseil électoral provisoire contesté a fait partie politique avec la presse qu'on est, institution électorale là a recruté personnel pour bureau électoral départemental BED ak moun qui pour travailler dans bureau électoral communal BEC. D'après notre ça, intéressé au capable de déposer dossier dans le bureau électoral départemental sorti 7 pour arriver 13 janvier 2021. Directeur général Office national identification ONI, Jude Jacques Elibert, fait qu'on ait 40 000 citoyens qui déjà recevoir 4 identifications
classification nationale dans quatre campagnes, enregistrement avec livraison qui a continué. Jude Jacques Elibert souligné institution l'a dirigée à travail pour qu'on y a sous l'autre stratégie pour capable arriver sous plus monde en dans pays. Côté déclaration, directeur général Office national identification, Jude Jacques Elibert. Nous avons lancé une campagne depuis les 40 jours pour nous faire justement une livraison. Donc, dans 4 ça nous avons fait à peu près de 400 000 enregistrements et nous baillons environ de 300 000 cartes que nous avons livrées. Mais nous avons fait une campagne spéciale le 26 et le 27 décembre qui permettent nous à approcher, envoyer texte, message, SMS sur plusieurs téléphones mondiaux. Nous avons envoyé 500 000 textes par exemple pour le week-end 26-27 là. Et nous sommes arrivés à descendre de millions que nous gagnons dans mes mains. Nous avons profité à descendre à 800 000 cartes qui étaient dans mes mains pour nous remettre à la population. Donc nous pensons que nous avons fait un gros progrès sur les descentes que nous descendons à sur 4 qui étaient dans mes mains. Mais cependant, nous avons toujours besoin d'être agressif, nous avons besoin d'être avec vitesse pour nous remettre 4 parce que plus que y aurait été dans mes mains, c'est plus qu'il y a pas ajouté. Parce que c'est chaque jour qu'elle a enregistré nouveau monde pour mettre dans le système. Donc nous allons retourner dans mes mains. Donc nous allons continuer avec SMS. C'est chaque jour qu'on envoie SMS, mais nous allons continuer avec un gros lot de 500 000, de 600 000 pour nous voir si nous sommes capables de faire mon venir pour récupérer le cadre avec plus vitesse. Donc nous avons pensé à faire ça chaque week-end, peut-être commencer l'autre week-end, nous allons faire une planification ça pour nous faire une journée de livraison, deux journées de livraison chaque week-end pour nous capables de retirer les cadres dans nous pour faciliter bail mon cadre ça. Mais c'est chaque jour que nous faisons livraison, c'est chaque jour que nous faisons justement dans toute santé, avec dans toute mobile, que nous facilitons mon à joindre, pas seulement dans métropolitaine, mais à travers le pays. Dans toute section communale que nous avons, nous avons mobile que nous faisons enregistrement et nous remettons le cadre ça. Donc, ma profite dit, pas oublier, peut-être c'est parce que nous avons dit, pas oublier, c'était gratis, et service ça, tout ça, on y fait, c'est gratis. Donc, pour nous pas penser que nous allons payer pour nous recevoir quand là, nous pas payer pour nous te faire. Donc, c'est peut-être ça qui t'a aidé nous à remettre les cadres à part les SMS que nous t'envoyons. On a toujours pensé de l'autre stratégie pour nous mettre en place, pour nous rapprocher avec les populations plus près, pour nous capables de bailler. Donc, nous travaillons avec le président Azek Lavoussa, pour lui capable d'aider nous à rapprocher plus près la population, parce que eux-mêmes qui sont souterrains, qui veulent faire communication avec la population pour nous, pour nous capables d'avoir plus bon service dans l'ONU. Président Fédération Nationale Kazekyo, Paul André, renouvelé engagement li pour travail dans tête collée à Koné pour permettre campagne enregistrement avec livraison réussi dans section communale. Côté déclaration, Paul André. Finaka lui-même gagne responsabilité à travers Kazek, tout le pays Haïti, pour que nous fassions sensibilisation. Pour nous rejoindre nous dans toute habitation, dans toute section communale, dans toute localité, pour nous mener à aller faire acte de naissance pour si tout possible, il n'y a pas de jambes gagnées, gratis. Et pour nous inviter à aller faire carte d'identification nationale, parce que section communale, c'est pas un pile monde qui était fait et nous mobiliser pour ça et nous sensibiliser le peuple pour ça. Qui ça nous fait? Chaque section communale gagne un ou deux ou trois mégaphones pour qu'ils arrivent à sensibiliser le peuple, les paysans. Et côté nous, Yekolia, nous déjà soumettre by ministère de la justice environ 400 clercs sous 572. À rappeler, c'est 572 clercs
sorti dans la section communale qui est proposée par Kazemio pour que soit capable de plus près la population pour problème d'identification fini, résoudre une fois pour toutes. Responsabilité nous, nous apprenons et nous faisons, nous faisons sensibilisation, nous continuons à faire comme tout le monde connaît dans le mois de décembre qui se passe à tant que nous avons dit, c'était un mois de s'élever, paysans n'ont pas venu avec volume paysan d'attendre pour que aller faire administration avec l'identification, pas arrivé, j'en nous-mêmes fin à carte soutenir, mais nous-mêmes, pendant toute case avec le pays, à travailler au jour le jour, à faire sensibilisation, motiver mon yo pour qu'il y ait fait carte d'identification avec acte de naissance gratis tichine. Et m'a dit pour tout le monde, m'a profité l'occasion ça pour que pour me dire officier d'état civil yo, pour que yo vraiment accueilli bien Clec ça yo qui prend le travail pour résoudre le problème cas d'identification nationale là. Alors avec l'association nationale greffier haïtien yo Martin est né annoncé après démarrer un mouvement greffier à partir mardi 12 janvier qui vient là pour continuer à exiger plus bonnes conditions de travail. Martin est né fait connaître ministre de la justice là Wok Feller Vincent où les greffiers yo nan farine n'est pas jamais prend en considération revendication yo les quoi mouvement greffe ça papa camper tout autant autorité yo pas prend responsabilité pour satisfaire greffier yo. Suivre déclaration. Le jour qui était lundi, mardi 28 juillet, côté que les filles ont été lancées au modèle de grève à travers les 18 juridictions du pays, mais c'était pour exiger avec l'État pour répondre avec les principales revendications. Et mettre en application les accords, l'accord de 2017 et 2019. Voilà, la grève a été persistée dans le système. Après environ 3 mois, et depuis un accord qui est fait concernant avec le ministre de Justice, donc voilà, la gagne qui est sorti du concret. Et jour qui t'abra le 10, qui t'abra le 13 octobre 2020, pour gagner un compte qui est fait avec le ministre de Wokfield Anderson, qui est actuel ministre de Justice, côté que qui est fait nous, on fait des promesses. Il connaît ça, il promet nous que je t'ai honoré à partir du mois octobre 2020. Et mardi, qui est le 14 octobre 2020, nous avons décidé d'octroyer un trêve avec nous avons décidé d'octroyer un trêve par rapport avec le paiement de magistrat qui fait le même qui fait nous et par rapport avec la promesse qu'il fait que tu promets pour le capot au Rio le mois d'octobre. Et par rapport avec tout le monde que la Fédération de barreaux haïtiens FDH qui fait avec nous, au PC, l'Association nationale des magistrats, ANAMA, APM, NANA. Côté que OPC même qui offre technique comme médiateur pour faire médiation entre les greffiers et du ministère de la Justice. Depuis moi, Trève Saral, c'est un trêve de travail qui a sorti 14 octobre 2020, qui est pour le 14 décembre 2020. Voilà, 14 décembre, nous avons été finalisé, et nous-mêmes, nous continuons. Nous continuons à aller jusqu'aujourd'hui. Les gars, pas de rien concret qui sont hier. Nous avons eu un compte avec le ministre de la magistrat Oxfélia Vincent. Côté que nous te partagé un pile, nous te démocratons la parole ensemble, mais à rien concret toujours qui satisfait toujours. C'est tout le pour messieurs, les directeurs, la fait suivi pour nous, pour nous capables de résultats favorables et qu'on nous capables de nous ici avec ça. Il y a l'autre part, Martin Iné, qui dit qu'il reconnaît le mouvement grève là, qui a une conséquence sur l'appareil judiciaire, si tout, ça est capable de continuer à cas phénomène de détention préventive prolongée, qui donc un prisonnier qui n'est pas privé de passer devant juge. Elle demande dans ce sens pour le ministre de la Justice, là, que les vins sans satisfaire les revendications greffiers, sans perdre du temps. Côté enfant encore, Martin Iné. Autorité dans le carreau, il a parlé de lutte contre détention préventive prolongée, mais est-ce que le monde saillant qui nous coûte appel à la monde, qui nous prise, donc, qui sont coup d'appel là, est-ce que eux-mêmes tout n'ont pas en détention préventive prolongée? Est-ce que sont justifiés de prendre des mesures? Est-ce que sont critiqués pour mettre en détention préventive prolongée? Mais pourtant, ça y est, eux-mêmes qui sont coup d'appel là, ils ne sont pas en prison. Je dis, nous avons des constats terribles que nous faisons dans le système. Nous avons un tribunal, nous avons une prison civile de Petit Gouave. Prison civile de Petit Gouave, c'est deux tissons qui font pour arrêter 4 mois. Mais ça me fait que plus que 4
18 mois dans petit chambre. Je tiens même à constater un jeune garçon autrefois qui était rentré dans le tribunal petit peu avant, qui était indien. Je tiens lui-même en prison. Et ceci, autorité policière, judiciaire, même l'hôpital, il n'y a pas même les citoyens, côté que l'hiver dans le mol, je tiens dans son cas, c'est petit peu avant. Et ceci, depuis que nous sommes sortis à l'arrêté, nous avons été en prison, c'est comme si c'était un mol qui a le châssis. Même là, nous avons été bien voyants, nous avons été bien costauds. Après, en espace de 15 à 22 jours passés dans la prison, nous n'avons encore pas pris connaître lui parce que la défiguré. Et ceci, pour nous, nous jouons un petit côté pour gagner dans la prison, nous marions deux codes en l'air pour mettre en DA, pour faire servir des cages. Avec la force, nous au moins capable de faire 1 000 dollars. Et si nous allons comme ça, la combattre chaque jour jusqu'à ce que le monde. Égale, prise, on sait depuis aussi, je l'ai dit, c'est l'enfer sur la terre. Je tiens aux prisons flambant neuf qui fait un petit coin. Pour qui ça? Il n'y a pas de prendre des prisons de flambant neuf ça. Est-ce que c'est grand greffier? Est-ce que c'est grand magistrat assis ou des beaucoup qui ferait pas que c'est les prisonniers ça? La prison qui appelle constitue quoi là? Non. Nous croyons que c'est de préférence que l'État, autorité dans l'État, occupe son prison, la population qui a mouru, la population lui-même qui n'a pas fini les montées, nous sommes passés là. Et je dis à nous croyons que automatiquement l'État baille la justice, la priorité, nous croyons que le système n'a pas changé. Je tiens, non, au parquet, au comité qui a touché 15 800 gouttes. Mais pourtant, est-ce que pourtant, l'État savait jeter les responsabilités sur le comité qui a touché 15 800 gouttes? Pourtant, l'État exige, il faut qu'il y ait avocat, l'État exige, il faut qu'il mette costume pour l'entraînement sur le chaque jour. Est-ce que 15 800 gouttes capable de bailler un citoyen manger pendant que lui-même a exigé un paquet de travail, de travail, de 8 heures pour 4 heures et de paquet d'exigence sur le café, même prévu un petit peu pour ça. Et nous, même l'Association nationale des greffiers haïtiens, ANAGNAP, nous condamnons ça façon que l'autorité au niveau de l'État contre la justice là, façon que la pleine justice là. Et nous connaissons effectivement, si toutefois que la justice au pays, la marche côté content, si toutefois la justice là, décrétion comme égale de notre égale, nous faisons exactement l'image de l'IA. C'est qu'on s'appelle lui-même tout la petite, c'est qu'on s'appelle lui-même tout la défendre. Automatiquement, autorité de l'État ou t'avais récupéré le bras au pays, ça nous croit qu'il a commencé par la justice, il a commencé par répondre avec les revendications de l'IA, il a commencé par répondre avec les indications missions, il a commencé par répondre avec les indications magistrats assis avec des boulots, et là ça n'a capable d'espérer, on n'a capable de rien. Et puis voyons continuer à lever pour dénoncer le Conseil électoral provisoire qui continue à poser action, tant que publication calendrier électoral là, et puis notre limité d'ailleurs pour recruter personnel pour bed avec gagner une responsable comme organisation politique syndicale populaire, professeur Josué Mérilien, qui croit même KPO, c'est diversion à faire pour président Jovenel Moïse. Pour peuple haïtien capable d'oublier date 7 février 2021. Côté une déclaration, professeur Josué Mérilien. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec chaîne là.
et toujours songer pour activer ti cloche là les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babes a chercher pour lui d'accord eh bien passons agréable journée tout le monde agréable soirée si c'est matin bon matinée.